Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai changé de coin. C'est ma porte de grenier là. Et vous voyez, j'ai un tableau avec une grosse partie, enfin, une partie de médailles. Hein, c'est pas, parce que j'en ai encore beaucoup, j'en ai encore là. J'en ai encore dans une boîte, j'en ai en bas dans mes tiroirs. Il y en a partout, médailles. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, oui, unboxing avec la boutique Pan Somway. Je les remercie encore énormément, encore une fois. Ça fait déjà plusieurs fois que je fais des unboxings avec eux, des partenariats, et ça va toujours nickel. Je n'ai jamais de soucis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit accessoire qui peut servir pour le DP ou pour la broderie. Une broderie. Et un DP. Voilà, on va commencer par quoi? Ben, on va commencer par la broderie, tiens. Alors, j'étais très surprise par cette broderie parce que elle vient de la compagnie sans nom. Voilà. Ils ont fait des efforts. Bravo. Ça devient bon. À force que l'on réclame, que l'on dit que ça va pas, que ceci, même pour le DIY cross-stitch commence aussi un petit peu. Mais je vois qu'ils partent dans le bon. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça prouve qu'ils écoutent les clients. Voilà. Les vendeurs passent les messages aux fabricants. Hein. Ce n'est pas le vendeur lui-même qui fabrique. Donc, les vendeurs passent les messages aux fabricants et puis ils nous entendent souvent dans les vidéos se plaindre de quelques petites choses. Et je crois qu'ils nous écoutent puisque maintenant ça commence à s'améliorer. Allez, je vais vous montrer ça. C'est une broderie. Alors, estampée, bien sûr, en 11 CT. Donc, le 11 CT, ça va se broder avec 3 fils. Non, 3. Comme ça. La taille, c'est un 45-55 et le nombre de couleurs, j'ai oublié de vérifier avant, c'est pas bien. Alors, 42 couleurs. Voilà. Enfin, si j'avais vu avant, mais je m'en rappelais plus. Que voulez-vous, je vieillis, hein? J'ai plus la mémoire de mes 20 ans. Alors, on a d'abord le petit toolkit. Voilà, alors ici on a avec le petit bambi, j'aime bien ces petits sachets. Alors dedans, j'ai le petit anneau qui sert de dé, le petit enfil aiguille. Alors, il y a deux écoles. Moi, je suis de la vieille école, vu mon âge. J'en entends beaucoup dire que c'est un enfil-fil. Non, on appelle ça un enfil aiguille. Ça s'appelle pas un enfil-fil. Ça s'appelle un enfil-aiguille. Voilà. Mais beaucoup disent enfil-fil. Non. Non, non, les filles. C'est un enfil-aiguille. Croyez-en une vieille. Je vous le dis. Et j'ai le petit pompon avec 5 ou 6 aiguilles. Là, il doit y en avoir 5. Voilà. Donc ça, c'était le petit toolkit. Ensuite, alors je vais vous montrer la toile en premier et après je me mettrai face bureau pour vous montrer les fils. La toile, alors là par contre, étonnamment, elle est épaisse. Je ne l'ai pas encore eu épaisse comme ça. Pour vous dire que je la trouvais tellement épaisse que j'ai regardé, j'étais là. Ils n'ont pas cousu de toile, non, par hasard. Mais non, il n'y a qu'une seule toile, mais elle est épaisse. Elle est plus épaisse que d'habitude. Donc un peu rigide. Mais la rigidité de la toile va partir à fur et à mesure que vous allez broder. Ou alors, si vous voulez, voilà, l'assouplir. Vous la roulez dans un sens, vous la roulez dans l'autre sens, vous faites ça plusieurs fois
Bon, moi, je plie pas mes toiles. Hein. Une fois que je les fais, je les roule. Je ne les plie pas. Mais vous faites ça plusieurs fois et vous allez voir que votre toile va s'assouplir. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure que vous allez broder, vous allez voir votre toile s'assouplir d'elle-même. Mais quand vous la recevez, faites ça. Roulez-la plusieurs fois dans tous les sens et vous verrez que votre toile va devenir plus souple. C'est plus facile pour broder. Enfin, moi, j'aime bien quand la toile est souple hein, pour broder. Donc, voilà. À la base, quand je fais du point compté, ma toile chouchou, c'est l'étamine. Et là, c'est une toile super souple qui se brode comme à rien. Bon, mais là, c'est de l'Aïda. Donc, c'est pas pareil. Bon, j'arrête de blablater. Alors, voici la toile. Je me mets loin pour que vous la voyez. Bon, on ne voit pas ce que ça représente, hein, là, comme ça. Vous le saurez après. Donc, bah, du coup, je cache la photo. Donc, là, en dessous de mes doigts, il y a la photo. Vous allez retrouver les légendes. Voilà. Oui, bah, de toute façon, vous allez voir à l'envers. Donc, je vais faire sa face bureau. De ce côté-ci, vous allez retrouver les légendes. En bas, c'est écrit en chinois, donc je ne saurais pas vous dire. Hein. Je vois que c'est marqué DMC, puis après, c'est tout. Ici. Elle est surfilée de quatre côtés, donc tranquille, pas besoin de le faire, et il n'y aura pas d'effilochage pendant que vous ferez votre toile. Et sinon, ben, je vais vous montrer face bureau l'impression de la toile qui me paraît nickel. Voilà. Et je vous montre les fils. À tout de suite. Allez, je suis gentille, je vous fais découvrir le dessin de cette toile. Attendez, je me mets bien. Je pense que là, ça devrait le faire. Et voilà pourquoi je vous dis qu'ils ont fait des efforts. Et qu'on est content quand ils font des efforts. Alors, déjà, on a une grande feuille. Je vous la plie hein, pour mieux vous la montrer. Voici le dessin. Une tête de cheval, oui. Je suis déjà en train d'en faire une, mais ce n'est pas tout à fait la même. Voyez, déjà, rien que l'impression du dessin, nickel. Là, il n'est même plus trouble, ni rien, ni pâle, ni... non, elle est... Très très bien faite cette photo. Et voilà pourquoi je vous dis qu'ils ont fait des efforts. Alors attendez, je vous remonte un petit peu. Allez. Voilà. Maintenant, on l'a en grand. Bon, ça fait déjà quelques temps, enfin quelques temps, pas beaucoup, mais ça fait un petit. Déjà plusieurs kits que je vois passer aussi dans les vidéos des copines où les feuilles sont grandes comme ceci. Ça correspond à 1, 2, presque à 3, à 6 feuilles à 4. Donc c'est vraiment superbe. Ici, vous allez retrouver comme d'habitude les explications. Hein. Pour le nettoyage, pour le repassage, comment faire vos croix, comment lire la grille, comment vous servir des fils, etc., etc. Et ici, donc, on se retrouve avec la grille. Voilà. Ça fait de l'ombre. Attendez, je me mets dans l'autre sens. Je vous promène, hein? Ah, c'est mieux! C'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, je vais tenir mon pied. Ma table n'est pas assez large. donc voilà, vous voyez. Là, au moins, on voit clair. Vous allez retrouver ici la légende avec les références DMC et en dernière colonne, les vraies couleurs. Voilà. Je vous montre ça. Et vous voyez comment c'est clair. Hein. On profite pour vous montrer l'impression du patron. Regardez-moi ça. C'est-il pas beau tout ça?
Ils ont-ils pas fait des efforts? Ils ont pensé à nos vieux yeux. Bon, il y a du confetti, hein. Il y a du confetti. Il y a des blocs aussi. Voyez. Mais bon, il va y avoir du confetti. Il y en a plus que dans le cheval que je fais actuellement. Mais bon, ça va. Voilà, voyez. Tout est super bien imprimé. Il n'y a rien qui bave. C'est fait sur papier glacé. Donc, nickel. Au niveau de la légende, voyons si nous avons des choses un peu compliquées. Bon, là, c'est pas dans le même sens, donc ça va. Ah, là, le plus, mais c'est bon, deux couleurs différentes. Hein. Non, ça va. Je pense qu'on n'aura pas de grosses difficultés à lire notre légende sur notre toile. Voyez. Et on retrouve en haut le dessin. Voyez. Comme il est beau, ce petit cheval. Il est tout mignon. Voilà. Donc ça, c'était le patron. La toile, donc je vous l'ai montré, mais je vais vous la montrer en détail pour vous montrer l'impression. Voilà. Il n'y a pas de débordement, hein, tout est bien droit. Voyez. Alors, vous voyez, hein, il y a du confetti, hein. On va faire mumuse. Ouh, comment on va s'amuser. Voilà. Hop, et en bas. Là, il y a un peu plus de blocs. Voyez. Ouh, comment on va s'amuser avec tous ces petits confettis. Alors, je vous ai dit, oui, c'est un 11 CT, je vous l'ai bien dit. Et maintenant, donc, les couleurs. Donc, j'ai un gros paquet de couleurs. Alors, je vais me mettre sur le côté, moi, pour vous montrer ça. Alors, j'ai vu tout à l'heure déjà, parce que bon, je regarde toujours avant la vidéo, hein. Ils sont super beaux. Hop, alors tout est sur les plaquettes, sur les trifiles. Hop. Allez, je vais vous montrer la plus petite en premier. Ah ben non, les aiguilles, je les ai dans tout le kit, c'est vrai. Voilà. Voici, donc ça c'est sur la deuxième plaquette, les couleurs. Alors, si je mets le flash, est-ce qu'on voit mieux? Ouh non, on voit pas. Non, les couleurs ne sont pas bien, ne sont pas réelles avec le flash. Voilà. Un beau camaïeu de marron. Là, c'est un vert. Mais ici, un très joli camaïeu de marron. Et voyez le fil. Il est vraiment très très souple et il brille. Voyez comment il est. Il est vraiment très très beau. Voilà, donc pour la première plaquette, enfin la deux, c'est la deuxième, hein, celle-là, mais c'est pareil. Et voici la plus grosse, celle où il y a tous les autres fils. Là, ça va jusqu'au 36. Je secoue un peu. Et voilà. Encore de jolis marrons, du bleu. Bon, le bleu, ça va être pour les fleurs, hein. Joli rose, là. Regardez. Un très, très pâle. Et un rose clair aussi, mais un peu plus coloré, un vert d'eau,
Magnifique. Encore des marrons. Un autre vert, là, un gris. Il est très bon, on dirait même de couleur argent. Et de l'autre côté, voilà, des bleus, encore un autre, non, c'est un gris bleu très clair. Là, c'est le noir. Tu vas pas me refaire la même bêtise, hein? Voilà. Vous voyez? Ils sont vraiment superbes. Les verts sont très beaux aussi. Celui-là est très beau aussi. Donc voilà les jolies couleurs pour ce joli cheval. Je rembobine tout ça. Voilà. Donc, je vous remontre une dernière fois le dessin. Voilà. Le joli cheval. Il est trop beau. Alors, ça, c'était la broderie. Je vais mettre tout sur le côté. Je rangerai après. Je vais vous montrer petit accessoire. Alors, petit accessoire, c'est tout simplement deux pinces. Alors, par contre, un, deux, trois. Je les aurais cru un peu plus grandes. Mais je crois qu'il y a deux tailles. Voilà. Donc, ce sont comme des petites pinces à linge, on va dire. Vous voyez, hop. Vous glissez dans votre toile. Par exemple, quand vous enroulez votre toile. Ou alors, pour votre diamond painting, pareil. Hein, si vous enroulez votre diamond painting quand vous le faites. Voilà. Ça peut servir pour les deux. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire, mais bon, j'avais besoin de pinces, donc voilà. Donc, les deux pinces comme ceci, le prix est de 99 centimes. Et la broderie, je ne vous ai pas donné le prix, c'est 8,99 €. Maintenant, le DP. Alors, le DP, vous le connaissez. Vous le connaissez parce que. Attendez, je regarde. Je vérifie juste une petite chose, hein. Je suis à vous tout de suite. Je cherche une image. Ah, si, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, vous le connaissez déjà. Ben, c'est parce qu'on l'avait déjà commandé. Et je l'ai fait gagner. Alors, je l'ai fait gagner au dernier concours. Vous savez, le concours pour ma chaîne. Voilà. Quand Chouchou a choisi son DP, bon, je l'ai fait et tout. Et après, je dis, ben mince, on l'a ce DP. On l'a déjà. J'ai mis bon, ça va, tu le feras pas en double puisque je l'ai fait gagner au concours. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est Ludovic qui a gagné ce kit. Alors justement, pour ceux qui ont gagné les kits, vos kits vont partir donc par Mondial Relais ou La Poste, hein, suivant votre choix, bah, la semaine prochaine. Voilà. J'aurai eu ma pension. Donc, je pourrais vous l'envoyer. Bah, du coup, je vous montre tout de suite le kit. Alors, par contre, il est arrivé un peu chiffonné, là. Il est arrivé un peu chiffonné. Alors, pareil, avec la lumière, ça brille. Voilà. C'est la plage. La plage, les cocotiers, les rochers, le sable fin, la mer, les nuages. Voilà. Donc, celui-là, ben, on l'avait déjà. Mais bon, c'est pas très grave, hein, puisque je vous dis, je l'ai fait gagner au concours. Donc, comme ça, bah, Chouchou l'aura aussi. Donc, Ludovic, si tu passes par là, bah, tu vas faire le même kit que Chouchou. Voilà. Bon, je vous remontre quand même les couleurs.
Il y en a combien? Il y en a 25. Alors, de ce côté-là, vous avez la légende avec les DMC. Ah, les pimpons. Oh, plusieurs pimpons. Les pimpons ont eu un mariage en même temps. Excusez-moi. Et de ce côté-ci, les... Oh, ça me perturbe ce bruit. Ou alors c'est un pompier qui se marie. Et de ce côté-ci, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les symboles. Voilà. Excusez-moi hein, pour ce petit... cette perturbation. On est samedi, il y a des mariages. Alors, on va avoir une feuille de route. Je ne sais plus si dans l'autre, il y avait une feuille de route aussi. Voilà, on a une petite feuille de route. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, les symboles, les références DMC. Ici, ça doit être le nombre de perles et les nombres de sachets. Voilà. Et puis, la petite photo que je vous montre. Voilà, c'est tout joli. Et maintenant, vous avez donc vos couleurs en chapelet. Bon, je vous remonte quand même, hein, parce que si vous vous en rappelez plus ou si vous ne l'aviez pas vu la première fois. Bon, j'espère que j'ai encore assez de batterie. J'ai oublié de charger mon téléphone. Parce que je sais que quand je fais des vidéos, la batterie mange. Je vous assure que j'ai chaud. Je sais pas, il refait chaud. Oh. Et là, je dois aller revoir mon docteur lundi, parce que mes analyses ne sont pas bonnes. Donc, on va voir ce que le docteur va me dire. Mais bon, quand on cherche sur Internet pour les résultats d'analyse, des fois, ça fait peur, hein. Donc, vaut mieux avoir l'avis du médecin. Là, moi, mes résultats, quand je cherche sur Internet, ça me parle de bon, d'infection, d'accord, mais ça me parle de cancer, de leucémie. Voilà, tout va bien. Il n'y en a pas encore un en dessous. Donc, faut pas lire ce qu'il y a sur Internet. C'est pas bien. Ah, le noir. Hop. Voyez, les perles sont nickel, hein. Il n'y a pas de souci sur les perles. Et ça, je pense que c'est la dernière. Non, il y en a encore une après. Là, il y a plusieurs paquets. Donc ces chapelets-là, c'est pareil. Hein. N'ouvrez pas tout d'un coup. Ouvrez un petit peu à la fois. Comme ça, s'il vous reste des perles à la fin et qu'elles sont en sachet fermé, c'est beaucoup mieux pour les stocker. Voilà pour les perles. Donc beaucoup de bleu, évidemment. C'est tout à fait normal. Hein. C'est la mer. Je pense que Chouchou va bien s'amuser avec. Là, il a fini son DP. Il en a recommencé un autre déjà. Donc, je vous prépare les vidéos hein, pour tout ça. Ce kit, combien il coûte? Alors, c'est un 40-50 perles rondes
avec 25 couleurs pour le prix modique de 8,99 €. Voilà. On dirait que je fais du téléachat. Donc voilà pour aujourd'hui. Par contre, il me manque un article. Alors, j'ai peut-être oublié de le noter dans mon email. Je l'ai marqué sur mon carnet, puis peut-être que moi j'ai oublié de le noter sur l'email. Mais c'était juste un petit pinceau de nettoyage. C'était pas rien de très important. Je pense que j'ai dû oublier de le mettre dans l'email que j'ai fait. Désolée, je fais du bruit. Je devrais pas. Bon, je le ferai après. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que tous ces articles viennent de la boutique Paint Some Way, que je remercie encore une fois pour leur générosité, leur gentillesse. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.